أمريكا بليز بليز، بعد ما تعطوا 9 مليار دولار ليشتحونا فيكم تقولوا لهم ما يشتحونا بليز. Depuis quelques semaines et l'escalade sans précédent menée par Israël au Liban, quelque chose s'est multiplié dans le pays, ce sont les blagues. Et oui, comme les Libanais savent le faire. Par exemple, le 17 septembre, le jour des explosions de beepers simultanées, n'importe qui ici a forcément reçu ce genre de message. مرحلة تانية، انتبه لجماعة الايكوس. بعد في انترفون عم فكر انزل فكو. الحل الوحيد. Ça, c'est le légendaire sens du tenkit libanais, le sens de l'humour. شباب بقاش حدا يحكيني ويقول لي وينك؟ ليه؟ شو حبيبي انت وين؟ انت ببيروت ايه؟ لبناني. انا مطار الاردن، كيف وصلت لهونيك؟ ما حدا يسالني. اردت ترانسبورتيشن لهونيك. انا حاليا اخذ فيكيشن مبسوط هونيك. Eh oui, le brouillage GPS, on a tous eu nos problèmes avec. Hein. Et puis évidemment, il y a ceux qui essayent de dédramatiser tant bien que mal toutes les nuits d'horreur que le Liban a vécu. Cela dit, si ce genre de contenu inonde les réseaux sociaux en ce moment, le stand-up de son côté, c'est un peu standard hein, au Liban en ce moment. Par exemple, le collectif Awkward a annulé tous ses événements, sauf un, celui du comédien palestinien Samir Abed. I have a show booked in Beirut on October 14th. Bro, they would not cancel the show as long as like half of the building is still there. They will still go with the show. Rassurez-vous, depuis, le spectacle a évidemment été annulé, ne vous en faites pas. Et puis surtout, dès qu'on parle de ce sujet, il y a un mot qui revient en permanence, la résilience. Et oui, nous les Libanais, on serait résilients. Non, Habibté, c'est juste que l'humour, c'est le seul espace qui nous reste. On n'a juste pas envie de mourir de déprime alors qu'on voit le pays en train de mourir tout court. Voilà, bien résumé.